chers amis auditeurs, que les bénédictions soient. Amis taureaux, toujours cette jalousie que vous ne parvenez pas à calmer, pour autant votre relation est solide et les sentiments sont bien présents. Un peu plus de légèreté dans le comportement de votre partenaire éveille vos soupçons inutilement. Arrêtez de vivre tout le temps dans les imaginations. Si vous êtes célibataire, une vie sociale riche et animée vous apporte de nouvelles relations qui sortent de votre environnement habituel et enrichissent votre vie amicale et sociale. Profitez-en au maximum. Votre travail, éclairé par Mercure et le soleil, votre intellect n'aura aucune difficulté à assurer les tâches qui vous sont confiées. Par des idées originales, une aisance de communication, vous marquerez des points et votre différence vous ouvrira des portes que votre intuition vous encouragera à pousser. Ce mois de juillet vous apportera de belles satisfactions professionnelles. Jupiter et Pluton vous offrent le succès et la chance. Côté finance, les experts comptables du zodiaque sont vos alliés. Il s'agit de Jupiter et Pluton. Quant à Vénus dans le secteur, elle peut tout aussi bien faciliter la rentrée d'argent que vous en faites dépenser exagérément. Mais votre excellent flair vous guidera vers les limites à ne pas dépasser. D'autant que votre nature économe n'aime pas se retrouver limitée par un budget serré, à vous donc d'équilibrer judicieusement les recettes et les dépenses. Votre santé, vous serez entre deux tendances. D'un côté, Mars baisse un peu votre vitalité et vous incite à la paresse. De l'autre, Uranus vous stimule et vous encourage à vous défendre. Résultat, votre rythme est décousu. Vous vous sentez plus fatigué ou plus survolté selon les moments. Écoutez votre corps et adaptez vos activités à votre travail en fonction de votre état. Ne forcez rien. Les chiffres de chance que vous pouvez utiliser dans ce mois de juillet, vous avez 23, 8, 70, 5 et 15. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 avril, misez au jeu du hasard du 5 au 15 juillet. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mai, misez au jeu du hasard du 17 au 31 juillet. Et si vous êtes né entre le 11 et le 21 mai, misez au jeu du hasard le 8, le 16, le 19 et le 23 juillet. Faites équipe avec un vierge, vous profitera beaucoup pour les jeux du hasard. Les dates clés que vous devez retenir dans ce mois de juillet, vous devez savoir que le 5 juillet, il est question d'un voyage qui pose un problème. Le 14, une nouvelle ou une réponse qui t'adhère arrive enfin. Vous attendez une réponse ou bien une nouvelle, vous devez savoir que le 14, vous aurez cette réponse. Le 23, vous avez envie de vous occuper de vous-même, de changer votre lot. Et c'est ce à quoi vous allez vous donner le 23. Le 28, ne vous montrez pas trop tranchant avec votre partenaire. Les jours défavorables dans ce mois de juillet pour nos amis qui sont du signe taureau, nous avons le 1er qui est aujourd'hui, nous avons le 2, 4, 7, 11, 14, 16, 19 et 22. Il serait bon d'apprendre à gérer votre énergie qui sera fluctuante ce mois-ci. Lorsque vous sentez que la paresse vous envahit ou que votre vitalité ne répond pas toujours présent, inutile de vouloir forcer les choses. Acceptez que votre corps ait besoin de repos, de respirer. Dans les périodes où vous vous sentirez plus dynamique, n'exagérez pas pour rattraper ce que vous n'aurez pas pu faire dans les moments plus calmes. N'en rajoutez pas. Votre corps gère et écoute. Pour tout dire, vous devez savoir que le mois de juillet est très favorable sur le plan professionnel et sur le plan financier. Raison pour laquelle vous qui êtes du signe taureau, il vous est conseillé d'utiliser le savon sachet tout au long du mois de juillet. Mukta.